Voilà, on est live. Bonjour à tous. Bonjour Twitch. Bonjour YouTube. On est sur Twitch. C'est dimanche et ici c'est le soir, 8h20, 8h30. Je sais pas quelle heure. Et du coup, chez vous c'est plutôt 1h30. Donc, comme toutes les semaines, je fais un live. Parfois j'ai des invités, parfois je joue simplement à nos jeux tout en expliquant. Plein de choses, ce qui me passe par la tête quand j'y joue, que ce soit qui a fait les levels, comment on a fait les levels, comment ça s'est fait qu'on a fait ce jeu, où on en est, etc. etc. Donc aujourd'hui, on va continuer Persephone. Ça va être un peu plus court que d'habitude, je pense, parce que on a qu'un seul. Il y a cinq parties dans la première histoire, storyline, qui est celle de Persephone. Et on en a déjà fait 4, donc je vais juste faire la dernière là. Et ensuite, on commencera Tale of Demeter, qui est un add-on, mais en fait, c'est un add-on qu'on voulait dans le jeu complet. Donc en fait, c'est un peu. C'est un add-on que c'est mieux d'avoir en fait. On peut avoir le jeu sans, mais on l'a mis gratuit en fait. On l'a fait au fur et à mesure. Ben, voilà, ça voilà une discussion sur laquelle on peut commencer. En gros, Persephone, on a sorti le jeu avec ses cinq parties en fait, ses cinq niveaux de Persephone. Et ensuite, on a continué, en fait, une fois que le jeu était sorti, on a continué à mettre des DLC gratuits pendant quasiment une année. Et on a mis je crois, quatre autres parties. 5 en fait, il y en a 4 qui sont Tale of Demeter, comme vous pouvez voir là en bas, on aura accès après. Et un cinquième qui est en fait un level secret, enfin non, un épisode secret. On aime bien faire ça, vous savez. Captain Velvet Meteor, il a aussi ça. Un épisode secret où en fait on est Hadès qui doit nettoyer la merde qui a été faite, nettoyer les corps en fait de Perséphone et Déméter. Post-jeu, quoi. Donc c'est marrant, petit gag. Et du coup, voilà, aujourd'hui on va commencer avec ça. Et voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère pouvoir parler un peu plus à propos de Captain Velvet Meteor bientôt. On a un truc qui se profile peut-être. Si ça se profile, ça serait probablement notre dernière chance de faire en sorte que le jeu soit joué et vu par les joueurs, quoi. Mais on a peut-être une chance de faire quelque chose. C'est en discussion, donc je vous tiendrai au courant. Sans plus tarder, commençons Persephone. Donc jusqu'à maintenant, dans les mécaniques de jeu qu'il y avait, on avait Perséphone qui quand elle meurt se transforme en pierre, Perséphone qui quand elle meurt se brûle. Et il y avait quoi encore? Il y avait Perséphone qui quand... Je crois que c'est les deux. Brûle et puis pierre. Et là, on a un troisième, en fait, qui est assez intéressant. Donc là, premier truc. Bien sûr, on meurt instantanément sur ce Mako. Si vous avez les références, c'est pas fait exprès, à part ça, mais j'aimais bien la couleur. En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on meurt, il y a Zombie Perséphone qui revient. Ou Puppet Perséphone, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et Puppet Perséphone, ce qui est bien, c'est qu'elle bouge en même temps que moi. Et du coup, je peux la contrôler comme ça, mais il faut que je fasse attention à mon personnage principal aussi pour pas qu'il meure ou qu'il meure dans de bonnes circonstances. Voilà, là, elle me permet d'aller de l'autre côté et. Ouais. Donc là, on vient d'apprendre la mécanique du. C'est quoi, Puppet? C'est la marionnette. Donc là, on a les deux maintenant. Marionnette ici. Pierre ici, si on change d'un à l'autre. Donc l'effet en fait il vient que quand on meurt, elle change de robe pour l'instant. Donc si on est en pierre, le truc de la pierre c'est pour arrêter c'est comment on appelle ça? C'est boulder là. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je viens de faire en fait. Je me demande même si c'est possible de finir comme ça en fait, j'ai jamais testé. C'est-à-dire en gros de. Ouh, est-ce que j'ai failli. Alors attendez. Parce qu'en fait je suis en train d'essayer de casser le jeu là apparemment. En général, il n'y a qu'une manière. Plus ou moins qu'une manière de finir. Ah là je suis dedans, hein.
Je passe à travers. Du coup, si je viens là. Ok, alors c'est pas comme ça qu'on est censé le finir. Mais j'ai réussi à faire. Ah, ça, il faut qu'on le garde à quelque part. Je crois que je vais refaire. Alors attendez. Je l'ai fini, mais je vais le refaire. Là, je l'ai fini, ok? J'ai réussi à le finir avec une manière discutable. Mais juste, il n'y a, a pas de solution. Dès le moment que vous réussissez, si vous réussissez. Deuxième solution, on recommence. Juste pour voir si c'est plus compliqué, en fait. Je me rappelle plus tellement. Mais c'est probablement quelque chose avec ça. Mais à quoi me sert la pierre dans ce cas-là? Ah, il y a quelques bugs là ou c'est moi? Ouais, je crois qu'il y a quelque chose comme ça là. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça où en fait, toi t'es mort. Comme il se relève. J'avais bien aimé faire l'animation de quoi elle se relève parce qu'en fait, elle se fait tirer par la main, par on ne sait qui. Voilà, et ça c'était la... Ah ben non. Ça c'était un peu la solution de base. C'est-à-dire qu'en gros, utiliser la... Elle, là. Ça devient n'importe quoi. Utiliser la... La pupette, là, pour... aller pousser... la Perséphone en pierre. Dans... sur... la stèle. C'est ultra compliqué en fait. Mais les jeux de puzzle en stream. Mais du coup je vais réessayer l'autre solution que j'ai trouvé avant là. Parce que c'était vraiment une solution que j'avais jamais pensé en fait. Comment j'ai fait? Qu'est-ce que je me suis fait? Je sais plus ce que j'ai fait. Quelque chose comme ça là. Ah non. C'est même plus comment j'ai fait ça. C'est pas grave. Non, ça devient n'importe quoi. En fait, je pensais que le live allait être moins long, mais je suis pas certain maintenant. Comme c'est parti. Mais oui, normalement, je suis censé réfléchir. Comme vous pouvez le voir, c'est pas trop mon truc. Je vais tester quelque chose si je me rappelle bien. Parce que non, je me rappelle pas vraiment en fait de tous les puzzles et c'est ça qui est... Non, alors ça c'est mort. Il faut que je positionne. Il faut que je puisse finir en fait sur cette case là. Ou cette case là. Une fois que j'ai poussé le... Donc en fait il faut que je la pousse vers le haut. Non, c'est pas possible. C'est possible. Oh, on va essayer un truc. Ça, c'est juste. Et là. Donc, c'est un tour par tour. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on bouge, notre personnage. Je vais prendre ici. Je vais essayer d'aller au même niveau. Tac. Non. Ah mais j'avais utilisé un bug, c'est pour ça que j'ai réussi à faire un truc. Mais ouais. Bah là aussi en fait. Bon j'ai cheaté. Je pense que ça sera bien un jour si on tourne financièrement un peu mieux de donner un petit peu plus d'amour à ce jeu là. Qui a quelques bugs malheureusement. Comme vous pouvez le voir. Des bugs... peut être nécessaire pour finir un level, mais alors, attends, moi il faut que j'amène cette caisse là où là-dessus, comme ça quand je passe. Ah voilà, ah bah non, c'est lui. Ok, donc ils ont pas, il n'y a pas de couleur qui montre où ces téléporteurs vont. Thank you.
donc il va falloir réfléchir. Mais en général, je crois qu'il y en a beaucoup, il y a des couleurs. En gros, cette idée-là des téléporteurs, ça me... Je l'avais pris de Bomberman. J'adorais d'ailleurs un jour, j'aimerais faire un let's play rétro quand il y aura un peu plus de monde sur la communauté pour que ça... Mais la peine aussi que les gens découvrent un peu. Mais j'aimerais faire un let's play des jeux rétro que j'adorais quand j'étais petit. Et dans un de ces jeux rétro, il y avait Bomberman. Mais en fait, c'est pas Bomberman, c'était Wario Blast. Et Wario Blast, c'est vraiment un jeu ultime. Dégueulasse. Regardez. Vous voyez la petite pupette là qui essaie de bouger sur ses pics? Non, mais je suis encore vivante en fait. J'aimerais bien remonter si vous pouvez me laisser. Oh non, désolé, on va te marcher dessus en fait. C'est mignon, mais c'est un peu gore quand même. Ah, mais il y a quelque chose à faire avec ça en fait. Il y a quelque chose avec ce que je suis en train de faire là. On va bien tomber ici. C'est ennuyeux en fait. Il faut que je meure là avec elle. Tac, ça on est d'accord. Sur ça, tout va bien. Oui. Mais ensuite, il faut que je la fasse avancer. Là, elle me protège en fait en faisant ça. Il faudrait que je puisse avancer avec elle qui me protège. Ok. Donc en gros, là, mourir, c'est bien. Ensuite, mourir, c'est bien. Ah, mais j'ai trop de corps. Là, mourir, c'est pas mal. Ah. Non, j'ai un... Je crois que j'ai... Tac. Je me protège, j'avance d'un pour pouvoir être là. Et là, grâce à ça, je la fais avancer. Je me rappelle qu'on avait appelé ce niveau un truc genre avec télécommande, je sais plus. Parce que... Comment ça s'appelait? Mais en gros, parce que tu dois faire ce petit trick avec les... Avec les... les téléporteurs. Et du coup, c'est comme si t'avais une Perséphone télécommandée. C'était assez fun. Ok, donc là, il faut savoir, on est au dernière partie, dernier chapitre du jeu. C'est chaud. C'est difficile. Donc ça risque... J'espère que c'est pas trop ennuyeux pour les gens qui regarderont sur YouTube ou après sur Twitch. Mais c'est potentiellement un peu ennuyeux. Alors là, je peux aller que sur 4 cases avec ma Perséphone principale. Mais avec l'autre, pas. Donc... Je dois mourir avec celle-là en fait. En fait, je peux pas faire en sorte que ma Perséphone zombie elle meure. Par contre, ma Perséphone normale elle doit se suicider. Elle doit se lancer dans le vide pour pouvoir faire en sorte que l'autre Perséphone atteigne son objectif. Là, comme elle est bloquée par des murs, c'est celui-là le niveau télécommandé, je crois. Ok, ça c'est le niveau de l'enfer. Il faut se rappeler. Ok. Ok. Mais non. Hein? Non. Oh, ok. Je suis pas arrivé à la fin. Je suis arrivé au level secret. Bien aussi, hein. Bien aussi. Donc. Là, on est sur le truc télécommandé d'avant. Et. C'est assez simple. En fait, je vais envoyer une zombie à chaque fois sur une petite île. Elle meurt. Enfin, elle est pas encore zombie du coup. C'est une Perséphone normale avec une robe de zombie. Et là ensuite, ben, je dois faire le même trick que j'avais fait avant. C'est-à-dire qu'en gros, ne pas regarder en bas mais regarder en haut. Oh non! Ah, je me rappelle du chemin. On va refaire. Level secret. Donc faut que je fasse quand même attention à pas tomber sur la sortie en fait. Ok, on y est. Allez, tac, easy, tac. Et là il faut surtout pas que je sorte, voilà. Bah non.
Reste là, bouge pas. Ensuite. Donc elle, il faut que... Je crois que c'est... Non. J'ai compris un truc. En fait, il faut... C'est plus dur que ce que je pensais. En gros, il faut que je fasse ça. Mais il faut que je choisisse l'île principale pour que... Quel que soit le mouvement que je fais, la Perséphone zombie ne bouge pas. Donc là, ma Perséphone zombie de à droite, elle va normalement pas trop se déplacer. Donc elle est assez bloquée dans son petit environnement. Là, il y a un seul endroit où elle peut courir. Il faut que je fasse attention. Voilà, je prends ça. Donc là, maintenant, les deux... Ça va, attends. Là, je peux aller vers le haut. Là, si je vais vers le bas, par exemple, elles vont les deux. Enfin, il y en a celle d'en haut, elle va se lancer dans le vide. Et je peux pas me permettre ça. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que je les remette là. Je vais là. Si je monte là, je monte plus haut. Je redescends. Pour que les deux soient bloqués. Voilà. Et là, si je descends maintenant, il y en a aucune qui va tomber. Et si je vais à gauche, non plus. Parce qu'en fait, il y avait les trois, je sais pas si vous avez vu, donc il y avait les trois murets au milieu, là. Il y avait les trois murets et un laser qui devait tirer à travers tous ces trois murets. Mais chaque muret devait être en bas en même temps. Et donc, il fallait mettre les trois Perséphone zombies sur leur stèle, là, sur leur activateur, pour pouvoir ouvrir les trois et que ça finisse. Challenge. Alors ça, je vous challenge d'essayer, parce que même en regardant ce que je viens de faire, là, pas sûr que ça soit que vous y arrivez. Non, si, je sais que vous y arriverez. Vous êtes, je suis passé devant la porte là. C'est juste que c'est assez intéressant et assez challenging. Bon, là, c'est ennuyeux là. J'ai attends. Ok, donc je vais là. Voilà. Si je vais en bas, j'arrive là. Donc, là, ça va pas. Si je vais de ce côté, dans l'autre sens, et voilà. Donc sortir, c'était plus facile que de faire le niveau bonus. Alors, la sortie est là. Si j'avais une pierre, là, je me mettrais ici. Et je me marcherais dessus et c'était bon. Mais il n'y a pas ça. Il y a juste une zombie, une caisse là-bas. J'imagine la caisse, je vais la mettre sur... Hein? Attends. Ok, tout ça, jusque là, tout va bien. Lui, il tire tous les coups, donc. À mon avis, c'est... Il tire tout le temps, le truc. Donc, je peux pas passer, en fait. Je peux jamais passer. Il y a la caisse, là-bas. Ah oui, mais non, mais si je meurs avec elle, on s'en fout, en fait. Voilà. Est-ce qu'il faut par... Non. Ah oui. Je vais amener la caisse ici. Je vais aller dans l'eau. Tac, je la déporte de l'autre côté. Jusqu'ici, tout va bien. Là, je vais aller chercher le zombie, revenir pour pouvoir pousser ça même si je meurs. Et là, on saute dans l'eau. Il est bien. Le nombre de... Comment on appelle ça? Ouais, le nombre de décès. Ce serait assez cool d'avoir un compteur. Je sais même pas pourquoi on n'a pas fait ça. Un compteur visible à quelque part. Où on voit le nombre de fois où Perséphone est morte, quoi. Vous pouvez compter sur les vidéos si vous voulez. Super ça. Si vous vous ennuyez vraiment dans la vie. Bon. Laisse-moi me rappeler ce que c'est ça. Je crois que le corps ici, il a du sens, mais pas ici en fait. C'est-à-dire que... Ou alors on est nouveau sur le même truc où je dois laisser une des Perséphones. Non, ça va pas le faire comme ça. Celle-là, ça devrait être ok. Non, en fait non.
Tac. Reviens voir là. Ah. C'est Yanche. Lequel je dois commencer? Donc je dois mettre les deux corps là et je dois être capable aussi d'aller sur de continuer ensuite. Donc ce que je crois c'est qu'il faut que je meure là en fait. Ça va plus faire. Et aussi ah non mais je peux pas. Il faut que je meure d'abord derrière. En gros il m'en faut deux, on est d'accord. Il m'en faut une qui meurt derrière. Essayez de m'expliquer après. Juste derrière. Derrière moi, comme ça. Elle est mort devant. Là, je suis protégé. Et là, je peux les faire entrer. Bien joué. Et là, je peux être tu. Est-ce que je peux passer comme ça? Là, je me tue là. Ah le merdier. Et c'est tout. Alors si jamais tous les levels de Perséphone ont été faits à la main, donc on s'est bien fait, c'est bien fait caquer. Après il y a, comme j'ai vu là, il y a quelques bugs. Je sais même pas si on a envie de les. Enfin moi j'aimerais bien les corriger bien sûr. J'aime pas avoir un jeu où il n'y a pas des bugs qui sont. Enfin où il n'y a pas des features. C'est-à-dire qu'il y a des bugs qui sont non contrôlés. Je suis pas trop fan. Mais ce genre de truc aussi, je me rappelle des anciens jeux, comme c'était pas en digital et qui pouvaient pas faire forcément des updates. T'avais des jeux bien buggés quoi. Et en fait, c'était assez cool. Parce que tu savais que tu pouvais faire ce bug pour passer tel level. Et c'était plutôt cool. Alors attendez. Là je me concentre. Je parle, mais je ne me concentre pas. Ah non mais je peux plus. Ouais non, c'est nul. Parce que là avec ça. Non c'est pas là, ok. Il y a le feu, donc là on a le feu, la pierre et on a les trois. Hein, qu'on a appris jusqu'ici. Donc le feu, voilà, ça crame ça. Et là, il faudrait la pierre en fait, que j'ai pu aller chercher en faisant ça là. Tac. Comme ça, je peux passer de l'autre côté. Et c'est tout? Non, c'est pas tout. Et aussi là, ça c'est censé le mettre. Ok, ouais. C'est marrant, le laser il est bloqué complètement, mais il fait encore du bruit comme s'il l'était pas. Est-ce qu'il me faudrait pas la caisse là-bas? Oh, Naruto. En gros, je vais stocker la caisse là. Et c'est à ça que elle me sert en fait. Ouais, par contre, il va falloir. C'est pas le bon ordre. En gros, il me faut ça. Voilà. Je la ramène de ce côté. No! Ok, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire? Sinon, levez la main. Voilà. Si on n'est pas bien, je me sens intelligent. Je me sens vraiment intelligent alors que c'est mon jeu quoi. Comment ça? Comment ça? Mais pas du tout. On en est là? Oh. The final boss. Alors au cas où, on a deux fins sur ce jeu. Et je vais essayer de vous montrer les deux. Assez simplement. Donc là, on a des champignons qui grossissent et qui défoncent s'ils touchent. Et de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'ils prennent de plus en plus de place jusqu'à qu'ils butent. Ok. On va faire comme ça. C'est pas grave si on meurt. C'est un jeu où c'est pas grave si on meurt. Et si vous regardez bien, ils poussent pas sur le béton. Non, la nature ne pousse pas, pas bien en tout cas. Ah, le petit bruit là. La musique est superbe. On a eu un interview
Donc, je vais essayer de faire un truc, je sais pas si j'arrive à faire un truc, mais pour YouTube, on a fait un interview du créateur de la musique, du compositeur de la musique, et qui va s'afficher par là, sur l'écran, en ce moment, si j'arrive à faire cette feature. Je suis pas sûr, j'ai jamais fait. Voilà. Cela dit, continue. Parce que la musique est trop bien. Jusque là, je suis bien. Hein. Et je suis mort. Ah, est-ce que je dois aller plutôt par là en fait? Non. Je suis foutu quoi. Le truc c'est que je suis obligé aussi de bouger pour que ça bouge. Donc, si je veux que ça évolue, je suis obligé de bouger. Ah non, mais en fait, c'est pas bien. Oh, oh, oh. Alors, attendez. Je me souviens plus ce que je dois faire. Je dois... Ok. Je vais mourir là, une fois. Donc là, si jamais ces graines tombent de manière random et auront deux tours avant de faire des spikes dans le fanion, hein. Et donc là, c'est un peu aléatoire, c'est-à-dire chaque joueur va avoir... Il n'y a pas de pattern en fait, si ce n'est cette pattern-là. Ça tombe, ça se plante, ça pousse. Puis au moment où ça pousse, ça retombe. Faut juste être dans le timing, être dans le flow. Voilà, donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un corps en place par-dessus un corps qui était déjà mort pour pouvoir le mettre sur la stèle. Et ensuite j'ai mis un corps pétrifié devant le laser pour que le normal moi ne meure pas quand je vais pousser le corps caisse sur la stèle. Comme ça. Est-ce que la musique est trop forte? C'est possible hein. De toute façon, je dis rien de très intéressant ou de très important pour l'instant, donc profitez de la vidéo. Là, labyrinthe pas aléatoire, à pattern, mais j'arrive jamais à me la rappeler. C'est un truc à noter, quoi, mais on va essayer, si je me rappelle. Ok, c'était pas ça. Ouf. Juste se rappeler de ce qu'on a fait quoi. Non, c'est pas ça. Jusque là c'était bon hein. Là. Revenir. Elle est là. C'est juste enfer. Qui c'est qui a fait ça? Je me demande si il faut pas que l'animation soit un peu plus courte quand même. Parce qu'en plus, il faut se rappeler de la pattern qu'il y avait genre. Il faut les dessiner en fait à chaque fois, faire une pause. Voilà, donc là je suis safe si tout va bien. En gros, à chaque fois il y a une pattern différente. Il y en a trois. Hein. Ça fait pas beaucoup, mais ça fait quand même pas mal. Donc il y a là, celle-là, celle-là et celle-là. Et chaque fois en fait il y a des trous différents et on doit être sur le bon moment. Ah, la prise de tête, non, tout va bien. Donc. Première fin. On arrive là. On est à la racine. Il y a la fin là-bas. Et on y va. Débloquer la fin, n'est-ce pas? Enfer des vénéneux. On a fini l'enfer vénéneux. Et voilà, qu'est-ce qu'on trouve? Le pauvre Hadès, coincé dans sa cage. Perséphone ne pouvant rien faire. Oh, Wari. Avec la petite musique là en fait, la fin tu dis, eh, c'est pas très, hein, je me sens pas bien, je me sens pas très bien. Donc voilà, on a créé donc le jeu, directeur créatif Rinaldo, concepteur logiciel c'est ingénieur Cédric et Guillaume qu'on a eu, on va essayer de faire une deuxième vidéo, qu'on a eu aussi en interview ici, par là. Non mais si jamais j'arrive pas à faire ça, Je mettrai en descriptif, ou alors bah, vous allez juste chercher sur notre YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos.
Et c'est la discute du dimanche, épisode 2, je crois. Et ensuite, compositeur Renato de la Guerre, discute du dimanche numéro 3. Concepteur sonore Thomas Olson, donc avec qui je travaille en ce moment sur notre jeu. Un jeu à lui. Et ouais, j'aimerais bien l'avoir en interview aussi. Donc voilà, t'as une petite fin un petit peu morose là. Fait tout noir. Toujours la musique. Est-ce que c'est vraiment la fin? Allez. Ou est-ce que c'est un bug? C'est un peu flippant là, non? On a peut-être fait un petit peu trop? Je vais voir si je peux faire quelque chose. Attendez. Oula. Ok, cet écran noir. Laissez-moi faire quelque chose là. Mais il est tout bugué ce jeu. S'il y avait plus de joueurs, on saurait. Non mais ce jeu, il a... à part ça, il a... Il a quand même... sur le store, une review assez positive en fait. Et voilà, je suis de retour. Il ne s'est rien passé. Et en fait, on a fait... Donc ça, c'est le boss. Et quand on va là, on retrouve... on se retrouve à la fin de nouveau. Pourquoi il y a ça? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous finissez un level secret, il y a une porte ici qui s'ouvre. Donc là, il y a le premier level, le premier épisode, vous voyez, les tiles par terre représentent chaque épisode. Donc, là, un tile par terre. C'est par là. Ou pas, en fait, non. C'est quand même un mini level, en fait, c'est encore un petit level. Là, c'est le deuxième, donc celui des roches là sous la cave. Ça, c'est celui de la neige et du feu. Et le dernier, celui du poison. Enfin, l'enfer, le vrai enfer. Et du coup, quand on fait ça, on a une dernière chose qu'on peut faire, c'est venir se tuer sous les racines de cet énorme arbre, ronce géante, monstre. Aller lui flammer le visage et libérer toutes les âmes de l'enfer. Et il est là, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, oh. Et là, deuxième fin, vraie fin. Et une petite musique, hein, petite musique. Donc oui, parce que Hades, il peut être emprisonné, mais il peut pas être brûlé, il s'en fout. Voilà, il peut être emprisonné dans un truc de ronce, mais par contre, là, les flammes, il s'en fout. Quoi. Oh, love, on s'est retrouvés. Youhou. Et là, il y a le titre. C'est vraiment la fin. Merci beaucoup d'avoir joué. Par contre, j'espère que le... Ouais, le retour au jeu ne fonctionne pas, quoi. C'est ennuyant, ça. C'est ennuyant, ça. Hein, c'est ennuyant. Je sais pas comment on va faire, là. On va recommencer. Une dernière fois, juste pour finir en beauté. Sur YouTube, je couperai tout ça, hein. Hein, on est en live, là. Peinard. Pas de problème. Et on va juste se lancer le tout début de Demeter, pour teaser un peu. Donc voilà, quand on arrive ici et qu'on a tout fini, on peut aller à Tale of Demeter. Et là, qu'est-ce qui se passe, Tiltil ? Faisant juste le premier niveau. Donc il y a cette grand-mère là, avec ses branches et sa fleur dans les cheveux, qui est censée être la Déméter. Donc pour les gens qui connaissent un peu la mythologie, c'est la mère de Perséphone. Et on a quand même une petite histoire très 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 basique, mais en gros, au début, Perséphone, quand on a commencé le jeu au tout début, Perséphone va retrouve en fait Hadès près d'un pont. Et Hadès se fait kidnapper par des ronces. Et il y a une énorme ronce derrière qui apparaît. Une sorte d'énorme... ouais, un monstre ronce, quoi. Et si vous regardez un peu ici, vous voyez que cette maison très jolie est à la même fleur sur la tête que Déméter. Et donc, il y a un plot ici, une petite chose qui se passe et on verra. Oh, Perséphone, tu t'en vas? Oui, mais ça me brise le cœur. Sur le bateau de Charon.
Je suis pas contente. Je suis tellement pas contente. Regardez cette... cette graine piquante, je vais faire quelque chose avec... Voilà. Et donc... Est-ce qu'on joue encore? Quelle heure est-il? Combien de temps ça fait qu'on est là? Non, on va pas jouer. On va se garder ça pour la prochaine fois. Désolé. On va se garder ça pour la prochaine fois. Et je suis en train de... Donc voilà. Donc pour la vidéo YouTube, je vous dis bye bye ici. Et à la semaine prochaine. Pour Twitch, je reste un petit peu là, juste pour tester des trucs. Parce que j'ai envie... Le crédit de fin, là, il m'a un peu bousillé le visage. Ça, là, ouais. Voilà. En fait, quand je pèse X, ça revient. Mais quand je pèse A, ça bug. Donc, il faudra qu'on voie ça. Et ce que je vous disais par rapport au... Donc là, on peut choisir les différents levels. Et il y a Perséphone, donc ça, c'est ce qu'on a fait. Jusqu'ici. Ça, c'est elle. Perséphone avec sa porte là, qui est la porte des enfers. Pas la porte des enfers, c'est la porte. Oui. C'est là où elle commence au tout début. Et ça, c'est Hadès de Aftermath. Et non pas Aftermath, parce qu'en fait. Là derrière, vous pouvez voir d'ailleurs, il y a Perséphone sur le trône aussi. Donc ça, c'est quand t'as vraiment. Tout fini. Et il a un petit... Ah oui. Il a un petit balai là à gauche. Et vous comprendrez pourquoi tout à la fin. Et là, du coup, ça, c'est Déméter avec toutes ses ronces. Donc, on comprend déjà un peu là. Donc, elle passe aussi. Elle descend aussi dans les enfers, mais par un autre chemin. Donc là, c'est le biome de la jungle, le désert. Là, c'est je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est les marécages poisonneux et tout ça. Et là, de nouveau, elle est de nouveau dans les enfers, mais cette fois avec Charon qui essaie de l'arrêter. En fait, Charon, c'est le boss principal de ça. Et dans cet épisode, on voit Charon, on voit aussi Cerbère qui essaie de l'arrêter et tout. C'est assez cool. Donc voilà, et je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas encore d'ailleurs, attendez. Est-ce que la semaine prochaine c'est sûr que je sois là? Mais je crois que oui, le 28. 28 semaine prochaine, oui, je serai là. Probablement je continuerai Perséphone. Et s'il y a plus de monde sur le chat, on discute un peu, tranquille.